sommeil et étirement. Donc c'est un point sur lequel il faudrait que j'écoute mes propres conseils, parce qu'on a tendance à donner des conseils sans les appliquer. C'est le sommeil, c'est le premier truc pour la récupération. On peut s'entraîner très bien, mais si on ne dort pas, bah forcément on s'entraînera de moins en moins bien. Et surtout bah, pour les compètes, on ne sera pas à 100% de nos capacités. Le mieux, bah, c'est de faire des bonnes nuits, de se coucher le plus tôt possible et de faire des siestes. Donc moi personnellement, j'en fais pas parce que j'arrive pas. J'aimerais bien savoir, mais il faut que je travaille là-dessus. Ouais. Et pour les étirements, alors si on décide de s'étirer juste après un entraînement, faut vraiment pas y aller trop comme un bourrin parce que le muscle est déjà traumatisé de ce qu'on vient de faire. Donc si on veut tirer trop fort dessus, bon, on va pas le casser non plus, mais on va pas lui faire du bien et au contraire, on aura plus de temps pour récupérer. Donc si on veut ce niveau, attendre une bonne heure, une heure avant de s'étirer, et si on se tire juste après l'entraînement, on y va dans l'eau.